Oui, maman. Ouais, la prophétie. C'est pas parce que tu dis parce que j'ai mal. Ça ne peut pas être faux, ne t'inquiète pas. Écoute bien. Écoute bien. Ma soeur dit que ce n'est pas faux ce que tu dis. Je n'essaie pas d'être en règle avec quelqu'un ou me dire que je peux plaire à quelqu'un. Hein? Je dis ce que j'ai vu. D'accord. Parce que tu te souviens du songe que Badance a fait. Elle a dit qu'il y a un groupe de noirs qui se sont levés contre les noirs eux-mêmes au Maroc ici. Voilà. Qui a dit ce qui a eu ce songe-là? C'est ma grande soeur. Elle est où? Elle est en France. En France, elle a eu ça ici. Oui, okay. Parce que quand il devait avoir les troupes en Libye, Dieu lui a révélé ça. Et par contre, quand on n'a pas ricoché. Ils n'ont pas écouté. Mm-hmm. Donc, ils ont dit, ah, attends, tu vas aller laver des trucs. Et effectivement, parce qu'elle disait que je voyais qu'on traitait les noirs comme des esclaves. Les esclaves là-bas. En Libye. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle a vu pour le Maroc? Elle a vu pour le Maroc qu'il y avait un groupe de noirs qui contestaient, je ne sais pas quoi. Il y avait des revendications. Qui m'a utilisé. Mm-hmm. Voilà, qu'ils étaient contre le fait que. En tout cas, le maltraitance qu'on leur a apporté, ce qu'on leur a apporté aussi. Et aussi, ils se sont révélés aussi contre les noirs parce que eux, ils n'ont rien. Et mm-hmm. Il y a d'autres noirs qui viennent qui réussissent. Mm-hmm. Comment se fait-il que ces noirs-là. Ils réussissent dans leur propre pays, ils prennent leur travail, ainsi de suite. Non, non, c'est les noirs qui, mm-hmm. qui s'élevaient aussi contre les noirs. Voilà, et ils cherchaient à saboter ces noirs-là, mm-hmm. voilà. Parce qu'ils disent que. Les noirs qui ont réussi ne s'occupent pas d'eux. Mmh. Je sais pas si je comprends bien. Voilà. Mmh. Ils ne prennent pas soin de leurs frères. Voilà, ils ne prennent pas soin de leurs frères. Ils sont bien et les autres souffrent et ce n'est pas leur problème. Mmh. Voilà, donc, du coup, eux aussi se sont levés. Voilà. Donc, ça sera chaud ici alors. Donc, ce qu'il a vu, c'est ta soeur, non? Oui. Ça ne peut pas être faux aussi, non? Oui. Et puis, elle disait qu'il y avait une fenêtre qui était tout le temps ouverte. Oui. Alors que la fenêtre de la cuisine, on ouvre tout le temps. Oui. Elle dit que dans la maison, c'est comme si de l'autre côté, là-bas, derrière. C'est ouvert carrément. Oui. Alors qu'il y a des belles vitrées là-bas. Oui. Donc, quand les gens sont derrière, ils peuvent voir ici. Mm-hmm. Donc, ils faisaient le tour pour voir qu'il y avait des noix ici et ils venaient pour attaquer ici. Ouais. Donc, ta soeur t'a averti, non hein? C'est pas moi seul, n'est-ce pas? Il dit, alors que je me tiens ici maintenant, mm-hmm. si on parcourt cette ville-ci maintenant, si on entre dans la voiture, on parcourt, je vais dire, allons dans cette direction, allons dans cette direction, je peux le dire, les voici, ils sont dans cette zone-ci. Mm-hmm. Tu vois cela, tu vois, il y a d'autres, regarde, il y a d'autres avec les cheveux comme ça, ils ont fait comme ça là. Il y a d'autres comme ça. Tu as vu ça? Ils ont fait les cheveux comme ça. Tu as vu ça? Qui étaient voilà. Un peu bizarres avec les cheveux. Voilà, tu vois, je les vois là maintenant. Là. Donc, si on sort ici, on met dans la voiture, ils sont parlé, ils sont présentés devant moi. Je dis, je vois la rue, je suis en train de voir. Je peux aller, je dis qu'ils sont dans telle maison. C'est remis là-bas. Mm-hmm. Je ne pars pas là-bas. D'accord, ma soeur, c'est pour vous. Mm-hmm. Alors, donc, quand on parle, on ne parle pas, c'est pas des suggestions. Oui. On dit comme ça, pourquoi on dit pour que les gens soient avertis? Mmh. Voilà. Ils prennent leur précaution. Voilà. Merci. Donc, quand vous entendez les groupes de ceci, pour vous réunir dans tel groupe, pour faire tel jour, pour défendre les droits, évitez cela. Mmh. Souvenez-vous que vous êtes dans un pays en exode, sachez que vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Mmh. Quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu a permis que vous soyez là-bas, restez sous sa garde. Mmh. Restez sous sa garde, n'entrez pas dans les groupes remuants. Vous attendez que le noir fait. Souvenez-vous que vous ne réussissez pas ici, pas par la foi, par un groupe. C'est pas la volonté de Dieu. Et quand vous êtes du côté de Dieu, restez sous sa volonté. D'accord? En fait, c'est que ça fait souvent aussi beaucoup peur. Parce que ça, même le frère Joben a fait ce genre de songe. Moi-même, j'ai fait un songe comme ça. C'est le problème, ce que je ne veux pas raconter parce que c'est un peu flou. Mais je sais quand même qu'il y avait des hommes armés comme des militaires. Ils interpellaient tout le monde. Ce jour, je me suis vu. Dans les rues de temps, je suis la rue qui va aller chez le frère Merci. Mmh. Ils interpellaient les gens, ils arrêtaient les gens. C'était comme l'armée royale comme ça. Mmh. Oui. La gendarmerie royale, je veux dire. Ils arrêtaient les noirs, ils arrêtaient. En tout cas, quand ça va s'élever là, ça va dans tous les sens. Contestation, terrorisme, le pouvoir challenger, la santé du roi qui sera précaire, les ports, les entrées qui seront attaquées, les soeurs. Vous allez voir, c'est là. Comme tu peux demander que c'est en quelle période, j'ai dit, quand tu entends les endroits de sécurité où on s'attend le moins, bam, attentat. Les contestations des noirs, vous êtes en plein là-dedans, d'accord? Vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Ce sont les signes des endroits. Ça a échoué. Cette fois-ci, ça ne serait pas ainsi, dit le Seigneur. Ça ne serait pas. Oui. Pourquoi? Le régime doit changer. D'accord? C'est pas aujourd'hui qu'ils réclament ça. Qui ça?
Il réclame ça aussi. Hein. C'est comme si tu réclames la destruction du roi qui l'a pris. Il ne veut pas. Donc, ils ont d'ailleurs réclamé cela. Ils ont fait des marches. C'est ici qu'on appelle, quoi vous appelez ça, royaume chérifien. Quand le Saint-Esprit dit le royaume chérifien doit changer, le royaume chérifien doit changer, le royaume chérifien doit changer, cette fois. Le royaume chérifien dit, le royaume chérifien, ça veut dire quoi? Le royaume chérifien, c'est une minorité, les Marocains qui maintient le roi. Non, qui se lèvent et qui font des revendications. On les mate comme ils sont. On les éteint. La majorité, on ne peut pas les faire taire. Quand il y a le problème, si c'est l'air. Le problème, la sagesse voudrait qu'on se réunisse pour trouver des solutions. C'est un peu comme au Cameroun. Ce qui se passe là maintenant, c'est depuis des années que les gens se sont en soubresaut. Depuis les années 50, ils disent telle chose, au fur et à mesure, ça grandit. On croit que non, quand la génération est finie, c'est fini. Ils transmettent l'esprit, le corps meurt, l'esprit ne meurt pas. Ça entre dans les prochains habitants. Ça continue comme ça, vous allez voir, même s'il reste deux, ils vont toujours revendiquer. Tu vois, on ne peut pas changer cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que les gouvernants n'aiment pas les conseils spirituels. Ils aiment les patients qui vont te dire que le roi ça vit éternellement, tu vois très bien. Vous n'entendez pas. Hein? Même pas dit, les pantalons étaient péchés. Ouais. Ouais. Si j'ai la vérité là-bas, quand tu sors, il dit, c'est comme ça. Là. J'ai coupé le cou. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.